Aïe, je me suis embranché, je me suis niqué l'orteil. Aïe, la vitesse a fait mal, hein. Ouais, c'est bon, la vidéo elle est uploadée. Ça... Il y a marqué erreur. Aïe. Donc, ben, je vais faire direct le boss. Aïe, aïe. Au sport, je me suis reniqué la main, donc je pense que pendant un mois je pourrais pas y aller. Et là, ça fait plaisir. Ouf. Donc là, il y a le PNJ, mais ça je le ferai après. Je vais d'abord tenter. Aïe, ça nique le pied. Là, je vais tenter. Ok, attends, je vais peut-être remettre ça. Aïe, aïe. Aïe, putain, ça nique le pied. Mais on sait pas d'où il sort ce mec. Et aïe, ultérieurement, un endroit du... Gale, chevalier esclave, ok, mais il a pas la même look. Un conseil... Aïe, putain, mais j'ai pas le... Mais c'est sur le... Oh, putain. Le feu... C'est sur le petit doigt de pied, mais l'avant-dernier. Oh putain, entre le dernier et l'avant-dernier, putain, nique le. Et ça sera les gîtes ou les gîtes, je sais pas quoi, ça sera légal si je l'invoque. Qu'après on me dit, ah, tu joues pas comme il faut, t'es un machin. C'est le mec du début qui te fait entrer dans le tableau. D'accord, allez, putain. Ouais, mais tant pis, comme ça on a dans le jeu, quoi. Ça aura invoqué ultérieurement un moment distinct. Aïe, aïe. Et lui, c'est qui? Invoquer la marque d'invocation. Bon, d'abord, je vais faire. Ou alors, j'ai. Yes, si tu peux éviter. Lui, attends, un petit combat pour se chauffer. D'un esprit son, voilà, un petit combat pour chauffer le truc. Il est où le mec l'esprit sombre là? Après j'ai pas compris, il y a la nouvelle flamme, la pyromancie, là, la pyromancie des adieux. Et en fait il est pas là. Bon. Échec, ok. Non mais c'était pour lancer le truc mais... Donc eux, t'as vu au début, ils étaient gentils et eux là en fait ils se retransforment en NG plus et eux en principe. Ben, l'autre fois eux j'avançais, ils se transformaient en ben, comme dans la route des sacrifices quoi. Ah non voilà c'est bon, je vais taper. Je suis en NG plus en fait. Mais je crois parce qu'il y a des âmes là, des armes de boss. J'ai réussi à en débloquer deux pour les chaque boss, donc c'est que j'ai déjà eu deux fois leur truc. Et là j'en ai une troisième, genre celle qui est là. Celle-là, c'est la troisième fois que je l'ai parce que j'ai déjà utilisé les deux fois pour avoir les deux armes. Donc je suis en NG++. Donc je pense que ça veut dire coucou série. Merde, je me suis trompé, j'ai mis CSERIL. Je sais pas si ton pseudo, parce que sur le pseudo, sur le PVP, c'était SERYL, et là je vois que c'est S2E. Ça veut rien dire pour moi. Apportez-moi mon fléau. Un fléau, tu peux pas l'apporter, c'est toi justement qui crée le fléau. Donc je comprends pas ce que ça veut dire. C'est des phrases qui veulent rien dire. Hein. C'est pas français quoi, ça veut rien dire. C'est amenez-moi,
J'arrive pas à expliquer. Amenez-moi le. Ouais, mais je voudrais pas dire de conneries, j'arrive pas à trouver. Tant déjà, parce que là je suis en train de faire, j'ai quasiment fini. Ah merde, mais ça marche pas parce qu'il y aura le l'inlay à côté. Ah même, je suis con, attendez. J'ai enlevé les musiques. Hop. Parce que j'ai fait le truc, quoi que là. Je vais faire la vidéo polygone fragment là. Vu qu'au gros cam il est pas là. Donc j'ai déjà une centaine de petites captures vidéo. Là c'était sans, je pourrais la faire une fois que le boss sera terminé. Pas de soupe en vue. Monte le son à 6. Je sais pas si j'ai pris la bonne arme et le bon bouclier, mais bon. En tout cas, j'ai le bon look. Sacrifier droit devant. Beau travail. Oh, il y a un mec qui a réussi à se casser derrière. Ça y est, j'ai mis à 6. Apportez-moi mon fléau, ça veut rien dire. Apportez-moi ma tragédie ou je sais pas quoi, ça ne veut rien dire du tout, mais bon, c'est pas. Le fond est bon. À faire un bon plan avec ça. Bah, j'espère que dans le. Voilà, j'espère que dans le. La capture, il n'y aura pas le. L'inlay du stream et compagnie. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi, Kezako? Des plumes. C'est Astérix, non c'est Obélix. Expressif. Je ne comprends rien à l'histoire. Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I will snuff out these ashes for good. Elle est où?
Rien là, putain, c'est pas toi. Et au moment où elle a disparu, si c'était que ça, elle est pas si compliquée. Hein. Il y a juste un peu à attendre. En même temps, je suis niveau 200. Hein. Peut-être changer d'arme, je vais mettre l'épée comment ça s'appelle, l'épée ouais, j'aurais bien voulu la battre du premier coup, ça aurait été sympa. Qu'est-ce que je peux balancer? J'en ai combien en tout? 40 et lui là j'en ai 60. J'ai passé une soirée, ben, on va voir, mais... Chris, ce boss. Allez, rentre chez toi. Elle va se transformer, non? Parce que c'était con, hein.
Oh, c'est lui le boss. Ah merde, je croyais que c'était ça le boss. Je me disais, tiens, si c'est ça, c'est de la merde. Hein. Adrian. Ah, enfin, ils prennent la vraie texture de truc. Putain, il est chaud là, je les vénère. Allez, la marmite. Boum. Il n'y a rien compris à cette histoire de flamme, de truc. Qui est d'un générique, on l'a entendu 200 000 fois. Ah ben la ressuscité, j'ai rien compris. On nous l'a survendu, de la merde ce boss. C'était nul. C'est le pire boss de tout Dark Souls. Du deuxième coup, deux, simplement deux fois. Vous êtes un bourbier. Oh putain, il y a un tas d'adoptes.
Merde, je voulais prendre quand l'autre a envoyé le fantôme là, putain. Bon, je vais mettre une meilleure armure hein, parce que si c'est pour se faire niquer connement. Ah non, on va se mettre ténèbres. Ulysse revient. J'aime bien la phase B, Ulysse revient. Pas le générique à la con, mais la musique du générique de fin. Alors, épine, voilà, hop. Ah, ça, c'est un truc qui est stylé, ça. Hop, ben, ça y est, je l'ai fait là. Là, faut y aller bourrin, bourrin et bourrin. Un, deux, trois. Comme chez toi, hop. C'est de place Bertrand, la place B. Le Cybertron, il a rien écrit dans sa vie, il a rien chanté et rien écrit. Allez, qu'on en finisse. Ciao Pépita, allez oum, oup. Allez, boule les gants, hop. Ouais, il y a le PNJ. Il sent le gros pépère, hop. Voilà, backstab dans son cul, hop. Hop, hop, hop. Hop. Où elle est passée, cette conne? Putain, pas possible. Non, c'est tout con en plus. Si j'avais le PNJ, ça sera plus simple. Donc là, c'est fait que 3 fois. Je vais voir si avec mon pic je préfère, parce que le pic des fois je donne un coup et hop,
Est-ce que je mettrais-t-il pas le plutôt le bouclier qui redonne de la vie? Foudre, non. Mais là, il est meilleur. Allez, 4. 4 fois. Attention, deuxième phase, elle peut soigner à micro. Cette arme est moins bonne. Avec l'épée des ténèbres, ça. Hein. Salut. Putain, mais rentre chez toi! Oui, la backstab. L'épée des machins, parce que celle-là elle sert à elle est nulle. Si on s'en fout, de toute façon, hein. Pas le temps de l'utiliser. Ah, tant que l'attaque dure, ok. Et on se met l'épée craquée. J'ai 59. Et chevalier avec l'erreur. Ça m'a l'air mieux. Alors Elite est arrivé jusqu'au quand tu vas bourrer, tu vas vraiment ok. T'es arrivé jusqu'au château de d'Anglique, et ben c'est bon, c'est que t'as bien progressé alors. 67 et le chapeau. Voilà, ça j'ai un bon look et hop c'est bon. Cinquième fois. Il faut que je fasse à moins de 20 fois. Pour
pas de bateau seuil, mais peut-être que lui il a même pas invoqué, donc ce sera. Moi c'est plus simple. Ben c'est quand il pleut, si c'est un château, t'es dans l'ombre et qu'il pleut, c'est que c'était ça. Hop. Un peu plus. Faut essayer de battre, l'utiliser le moins possible. Déjà j'ai évité deux fois sa chope, c'est pas mal. Voilà, ciao Pepita, moi je suis en run normal. De glace et elle se prend pas les coups, il faut taper la nana en fait. Ça le stab. Hop hop. Voilà, back, front back, pas quoi, front stab. Et backstab combo, hop, dépêche-toi. Et il me reste 8. Voilà. J'espère qu'il va pas partir. Là, c'est la cinquième fois. C'est l'autre qui l'attaque alors qu'elle n'est pas encore sortie, le salaud. Pour une fois qu'ils font un vrai un PNJ qui est salaud. Allez, elle m'a niqué là. Retourne la capitale, c'est pas toi. PNJ, putain. On a buté le PNJ. C'est un peu comme dans Bloodborne, hein, la nana avec les deux trucs, hein, qui fait que des attaques virevoltantes. J'ai bloqué, putain. Même ça chope, on la bloque, ça marche pas. Allez, congé la con. Oh, ça me saoule. C'est nul ce truc. Putain, les deux premières phases, c'est de la merde et après on y arrive. C'est... Peut-être qu'il faudrait que pour la dernière phase que je fasse plus de la magie. Trouver de la magie, peut-être que c'est ça la solution. Parce que, hop. Bon, ça me gave. Hop, hop. Troisième phase. Bon, ça fait 5 fois, je pensais que j'allais la voir là. Donc là, il faut. Pourtant, j'ai un bon truc là.
À moins de réussir à lui passer les contres, mais je pense pas. On va faire la blason Bloodborne. Voilà, Bloodborne dans son cul. Boum, voilà, j'ai fait la roulade. Zut, j'ai pas pu montrer ça, un truc de merde. Tac, tac, rentre chez toi, hop. Voilà, rentre chez toi, boum. Quand même utiliser une fiole, ça m'énerve. Il faut reculer, il va faire son truc nerveux. Roule, et merde, putain, roule! Putain, la... J'en avais 8 tout à l'heure. J'étais à l'intérieur du cacalis. Allez, pousse-toi. Hop, maintenant on va faire hop. Alors, allez, je... Ça lui fait rien le feu, fait chier. Putain de... Putain, il y a un PNJ, c'est que moi... C'est qu'après moi qu'elle le tape. Là... Backstab dans son cul. Voilà. Tu dans son cul, putain. Allez, rentre chez toi. Modo, j'ai jamais entendu ce mot, moi. Modérateur, modo. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais même pas ce que c'est qu'un stream. Donc je peux pas répondre à la question. D'ailleurs, je sais même pas ce que je suis en train de faire. Si c'est... Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas à quoi je joue. Je vais voir si la nana, parce que j'ai pas compris à quoi elle servait. Et pourquoi elle est là, puisqu'après on fait rien, quoi. Ça m'énerve. Plus elle le touche même pas, elle ressent le tableau. Elle fait du tai chi devant son tableau.
Non, on n'exclut pas, à part si t'as des propos négationnistes de ce truc-là, on te vire, mais en principe... ou alors si tu viens faire toutes les 3 secondes, tu dis viens sur mon site ou je sais pas quoi. Ouh. Essayer de faire un run parfait, de pas prendre un coup déjà dans sa première phase, ce serait pas mal. Et c'est trop tard, putain. C'est quoi un stream? Toulouse 31, c'est quoi un stream? Si tu peux me répondre, ça me... je serais super content. Non mais là... d'accord, mais je joue mal. J'ai joué bien tout à l'heure, là. Je comprends pas le truc. Pourquoi elle réagit pas, là? Ben, je sais pas, des fois des questions débiles, tu sais pas ce que c'est qu'un modo. Donc déjà, comment tu sais que si tu sais pas ce que c'est, comment tu sais que ça s'appelle modo ou pas? J'ai beau être con, mais quand même. Et zut, voilà, on me fait perdre, hein. La mort conne, là. J'ai même pas passé sa première phase de merde alors que c'est la plus con. Peut-être chercher un truc anti-congélation. Je sais pas si on a magie, mais congélation. Je suis pas sûr que ce soit pareil que le givre. Quoique c'est un truc. Il a écrit juste avant cette haine gratuite. Hein, tout le monde vient bien il écrit. Bon, c'est pas grave. Déjà que le boss va me gonfler si en plus il y a des questions. Je vais faire comme Exerve. Ah, j'ai... comment appelle ça? Je n'ai plus de papier cul. Ah, merde, je n'ai plus de papier cul. J'ai vu qu'à Monoprix, ça coûtait 2,50€ le paquet de 10. Je n'ai plus de papier cul. Et puis 5 minutes après, il y a un fils de pute mineur qui demande à sa mère le numéro de sa carte bleue et qui lui donne justement les 2,50€. Et après, Exerve dit « Ah, ben merci !» Parce que j'avais pas... c'était pas assez relou comme ça. J'ai crié en gros « Ah tiens, mon stérilé, ça fait 2 ans que je l'ai, faudrait peut-être que je change de stérilé. » Ben, au lieu d'être en train de streamer et d'aller bosser ou de frauder le RSA pour avoir ses sous et s'acheter son stérilé, il faut qu'il dise, qu'il gueule 100 fois pendant 5 minutes « Ah, je n'ai pas de stérilé, ça vaut... » ça vaut 95€ mon stérilé. Avec, en gros, il met une image en PNJ avec un gros stérilé. Et après, il y a un quoi? 5 minutes après, il y a un fils de pute, de fils de bourge mineur qui demande à sa mère son numéro de carte bleue et qui lui dit « Tiens, Exerve, je te donne les 95€ pour que tu t'achètes ton stérilé. Salut, c'est Exerve. » On se retrouve avec son... alors il y a l'autre enculé de... avec son chat de merde, on en a rien, son gros chat ronron fils de pute. Et là maintenant l'autre, salut, c'est Exerve. Maintenant son gimmick de pute, c'est son chat de... dont on n'a rien à foutre. Les chats, je leur crache au cul, j'en ai rien à foutre des chats. Ils me font chier avec... ah les chats c'est de la merde. Il n'y a pas plus con qu'un chat. C'est indépendant, c'est hautain, ça, c'est, les chats sont, de toute façon, c'est comme les streamers professionnels, ça vous prend pour des cons et les gens ils en redemandent.
Donc, hop, va demander à Exerve ce que c'est qu'un modo. Je pense qu'avec Exerve, les modos, pour être modo, faut payer. Ben, j'ai regardé comme ça deux secondes ces nouvelles vidéos là. Maintenant, il articule, il fait salut, c'est Exerve. Bon, là, il faut faire que rouler parce que. Mais merde, même en roulant, on n'arrive pas. Et donc, il met un temps avant de dire entre salut et c'est Exerve. Non, mais c'est pas possible. Cette phase, je la faisais nickel au début. Et là, je ne sais plus la faire. Avec son chat de merde qui dit je sais pas quoi, là. C'est intenable. Parce que on peut, en plus, ça peut se décliner comme ça. Surtout, hein, je peux... C'est tellement con que bon, je vais essayer de. Et putain, même en bloquant. J'essaie d'insulter les gens en face. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais toi, tu fais quoi là? Putain, en plus, ce mec, il est fan d'Exerve. Oh putain, il est fan de. Être fan d'Hooper et d'Exerve en même temps, je pense que c'est vraiment. On a tel pompon quoi. Il a rien compris le mec. Mais que c'est. Salut, c'est Exerve. Je vais taper la nana en premier parce qu'elle est dégage. Ah mon. Je suis allé au garage et le comment ça s'appelle? Non pardon, je n'ai plus de pain de mie Pasquier. Je n'ai plus de pain de mie Pasquier, ça coûte 1,90€ à Auchan. Je n'ai plus de truc et puis 2 minutes après. Qu'est-ce qu'il dit? Congélation, mais justement, je n'ai plus de. Comment ça s'appelle? Non, mais ça sert à rien en fait, les flammes. J'arrive même pas à sortir tellement c'est. Je comprends pas comment le cerveau d'Exerve peut fonctionner. Nickel. C'est la magie noire qu'elle utilise. Oh putain. Il faut que je reste à côté de mon pote, PNJ, parce que lui il a l'air de savoir où c'est qu'elle est. Allez, il y a deux combos dans sa gueule. Parce que c'est qu'un modo, mais il sait qui est Exerve, il sait qui est Hooper, c'est trop loin. Et merde, il est mort le truc. Putain, j'ai roulé, c'est pénible. J'ai roulé pour pas prendre sa chope. Voilà, là, je l'ai.
même pas le temps de... à part reculer... Pousse maintenant la petite vague. Putain, je peux pas le faire, je fais court rouler là. Là, ça va faire 12 fois que j'y suis. Je comprends pas. C'est quoi un modo? Le mec il vient sur un stream et il sait pas ce que c'est qu'un modo. Déjà pourquoi il vient sur un stream alors? Aussi les questions comparées. Bon ben moi je vais plutôt... Et en plus là on peut pas... Je m'en fous, hein. Je vais faire ça. Voilà. Merci. Hop. Et merde, voilà. Hop. Voilà ce que je vais faire. Merkia. J'espère qu'on peut invoquer des gens parce que ça commence à me saouler, moi. J'ai déjà battu le boss de Bloodborne, là, pas le dernier, mais la nana avec dans la cathédrale. Donc ça va quoi, ça me fatigue là. Bon. Putain, sinon ça fait comme à la boxe, ça fait point contre point, c'est nul. Ah merde, y a un mec qui m'aide là. Comment il voit arriver cette conne la gangbang parce qu'elle me casse. De toute façon quand on est à plusieurs il y a plus de stamina. Allez, boum! Mais si on fait... Le low shot est trop bien. C'est bon, j'ai repris. Salut, c'est Exerne.
on se retrouve pour ce dernier combat de boss du premier DLC Ashes of Ariandel. Là, en allant faire pipi, je suis passé devant... Excusez-moi, j'ai ma chatte qui me démange. Oui, je suis passé devant mon placard et j'ai vu que il ne me restait plus de biscuits Oreo. Et un paquet de biscuits Oreo coûte 2,10€ à Monoprix. Voilà, je répète, je n'ai plus de biscuits Oreo classiques. Et pour rester indépendant, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez me le payer. N'hésitez pas à me donner des sous sur mon PayPal. Il en va de l'indépendance du jeu vidéo. Au jeu vidéo, c'est grâce à votre dépendance à la carte bleue que je la dois. Sa première phase, j'arrive pas à la passer. Ouais. Même plus à passer la première phase. Par contre, j'ai débloqué... Merde! J'ai débloqué un Fal sur Aragami. Je suis assez content. Le problème, c'est que je l'ai fait en live, mais j'ai pas une bonne qualité de... Je sais pas si je vais, si ça pourra le refaire en vrai, parce que... le refaire en vrai, ça va être bien, sauf que pour le faire faut se taper une heure, parce que la mission elle dure longtemps, elle est chiante. Et donc il faut que je me tape une heure de me retaper la mission.
trouvais déjà un fan. En plus, on l'a entendu 100 fois avec les voix machin. Il n'y a même pas en plus de. Il pourrait faire, je sais pas moi, des mélodies, des notes dissonantes, un truc bizarre qui ferait peur. Là, c'est la gamme à la con, la gamme en D majeur, en Do majeur ou en je sais pas quoi. Ça rime à rien quoi, c'est nul. Faut essayer la magie avec eux et pas la pyromancie. Bah pour moi c'est pas un boss génial quoi, parce que c'est un personnage qui est cheaté, mais il me fait pas. Je trouve qu'il a aucun pas plus de charisme que je sais pas, je le trouve pas. Il est compliqué parce qu'ils lui ont mis des pouvoirs, mais à la rigueur je préfère celui de Bloodborne. Qui a dans quand on est dans la chapelle là, la fille avec les deux grands trucs qui se transforment en trois faces. À la rigueur, je préfère celui-ci. Lui, bon, c'est une nana. Alors, on va voir. Au lieu que ce soit des flammes, elle c'est des ténèbres, elle saute. Bon, mais par contre, il n'y a pas de chara design spécifique quoi. Dans Artorias machin, dans le premier Dark Souls, ça fait une nana avec Féline et tout. Bon. Au moins, il y avait un truc un peu différent, elle avait un côté mystérieux. Là, c'est un truc qu'on a déjà vu 100 fois. Moi, elle me fait pas. Alors, on va essayer machin, grande flèche. Et j'ai même pas assez. Alors, je confonds avec le 2. Ah oui, c'est sur le 2 que j'avais plus accès à magie. Ouais, bah, en fait, j'ai même pas en magie, je suis de la merde. Rien qui marche quoi. C'est pas mes boss préférés, hein. Mes boss préférés c'est plus Demon Souls. Là bon, c'est un PNJ, ouais. C'est un super PNJ, mais pour moi ça fait pas boss quoi. Putain, ça met une heure à tirer, putain, mais c'est nul. Roule la putain, hein. Attends, j'ai Clotrie de 2 là. Mais pourquoi il est lent? Oui, parce que j'ai le bâton. Ouais, allez, je me casse, ça me gave. Bon, je vais faire du PVP parce que le boss là il commence à me faire chier.
Alors, aucun truc, je vois pas le. Ça porte rien l'histoire et. Dragon ancien, j'ai jamais réussi à le battre, ça me gave. L'anneau, il fait rien du tout. L'anneau qui se disant quand on tape. Faut plutôt me mettre protection d'acier parce que celui-là, le truc, il sert à rien. Les attaques successives restituent des PV. Ah, bah peut-être plutôt ça alors. Donc là, on a le pyromancien normal et des adieux de pyromancien. Mais j'ai pas compris, parce que là on voit que coup PC ça fait 12, et là les nouvelles c'est fait 25, mais ça fait pas spécialement plus de trucs. Une dernière fois, après j'ai un peu de PVP ou autre chose, parce que. Peut-être faire le dernier boss, parce que là ça y est, j'ai avec le PNJ j'ai buté les. J'ai invoqué des gens pour m'aider à faire les jumeaux parce que je les supporte pas. Je n'y arrive jamais. J'y suis allé, j'ai réussi deux fois seul en hors ligne NG et NG+. Bon, là en NG++, j'ai pas réussi. J'ai tapé, je savais qu'elle allait taper. Pourquoi il est lent, mon personnage, il tourne plus. Ouais, il est lent là, j'arrive pas à tour à rouler. L'arme qu'il faut, je suis mou, je suis lent, putain, ça me gave. Je gaspille toutes mes conneries de trucs là. Thank you.
Oh putain. Ouais, pas con. Bonne idée. What need? Par contre, je sais plus la fin que j'ai faite les deux. J'ai fait la plus dure et celle où fin du feu, c'est-à-dire celle où j'éteins. Alors, je vais peut-être faire celle où il faut allumer. Et si possible, je crois que c'est celle que j'ai pas faite, si je fais allumer par la nana et après je la bute. Ça, quoi, je vais pas faire un truc. Tant pis, hop.
puis juste une attaque est chiante, c'est quand il se transforme là qu'il envoie un combo de 4 au grand coup. Kamehameha. Non, pas de la flash, pardon. Big Bang attaque, c'était plutôt. Voilà, passer par-dessus. Entendu. Power Within, ok. Voilà, il a failli m'embrocher. C'est là que ça va être le plus chiant. Qu'à un moment donné, il va faire une attaque à 3 coups. Je ne sais plus comment et quand il l'a fait. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, si on se la prend, c'est niqué. C'est que celle-là qui est la plus chiante à éviter. Après, si on fait pas le con. Je préfère la version normale que celle-là. Moi, je fais vraiment bourrin. Voilà, c'est celle-là d'attaque qu'il faut éviter. Après le reste, en principe, là j'ai fait un peu trop le bourrin. J'ai pu taper plusieurs fois. Voilà, du premier coup en NT++, plus tard. Voilà, lui, c'est un boss normal. C'est bon quoi, on le fait, c'est possible. Donc là, je vais rallumer le feu parce que j'ai faim du feu. J'espère que j'ai pas fait, comment ça s'appelle, une erreur, parce que s'il faut rejouer encore, oui, ce que je vais vous montrer, à moins que, j'espère qu'il y aura pas un bug. Ah merde, je peux pas vous montrer, mais au niveau des trophées, j'ai l'usurpation du feu et faim du feu. Donc là, si c'est fin du feu, c'est que je vais plutôt l'allumer. Entretenir. Ah oui, voilà. Donc du coup, je crois hein, que c'est ça. Entretenir. Parce que l'autre, là j'ai fait exprès de rien donner à la gardienne. Ni des yeux, ni l'âme. Parce que d'habitude j'ai tout fait. Je sais plus, je crois que j'ai dû invoquer. Je sais plus. Dans les deux autres runs précédentes, j'avais donné les yeux. Et les lames. Ah, celle-là, je l'ai pas vue. Bah, alors, j'ai fait les trois fins. Et la troisième plus, où il faut en fait demander à la nana de venir et après on la bute. Ça, je l'ai pas fait, mais c'est pas considéré comme un trophée. On va voir dessus s'il y a marqué trophée, c'est que c'est bon. C'est que j'aurais eu les trois fins.
Parce qu'ils ont pas fait trophée, le truc alternatif. Voilà, c'est bon. Trophée obtenu. Mais j'ai les trois fins différentes. Là, c'est exceptionnel. Voilà, on va zapper. Commencez votre quatrième... Oh, voilà, c'est bien ça, j'étais en NG++. Tu m'étonnes que le boss, il est plus compliqué à battre dans l'autre. Ciao, Guy. T'as pas fait de vidéo spéciale Halloween cette année, j'ai vu. Vous pouviez accéder depuis le feu. Souhaitez-vous... Commencez... Ah, en plus, c'est... Attends, hop, non, ok, c'est bon. Premier coucou. Donc là, je vais peut-être faire un peu de PVP. Ah, how? Acheter. Oh, c'est nul, on n'a pas de grandes choses à acheter. Ouais, niveau 200. Mais le boss est plus dur en niveau 200. Pas grand chose, on a un nouveau DLC et on peut rien acheter par une. Ah, mais peut-être acheter des éclats parce que c'est ce qui manque. Tablette de titanite, tiens, voilà. Hop, ça j'avais pas. Titanite scintillante, des éclats. Ashen One. Donc, je vais juste monter de niveau. Le bouclier désesselé que je voulais augmenter en maximum. Parce que j'ai une arme en plus 9, mais je sais plus laquelle c'est. Et une, je sais plus laquelle que je regardais. Du chaos, bien là j'ai déjà eu deux fois. Espadon, épée sacrée, je sais pas si elle est si bien que ça. Colère des dieux implantée dans le sol, ouais. 276 puis 180, ouais. Et peut-être cela, l'épée sacrée de Volnir. Espadon du loup, je sais pas si ça vaut le coup. Ouais, putain, elle est pas mal. Le problème, c'est qu'elle met du temps à taper. Alors, pas taper. Je sais pas si c'est si je fais les deux espadon et l'épée de Volnir. Espadon de l'icheveu, ben ça, c'est celle du boss. Elle fait 230 plus 160 plus du feu. Donc, peut-être celle-là, je peux l'utiliser aussi. Espadon de l'icheveu, est-ce qu'elle est bien? Capacité braise, ouais. Et okay, il est chaud comme la braise. Ouais, j'hésite, hein, je sais pas si je fais celle-là, l'espadon de l'icheveu, il a l'air bien, parce qu'il y a 3... Ça fait 300... Non, 230 et 394 plus 162. L'épée de lion, tu pas mal. Ouais, elle est... L'épée de lion. Mais c'est plus en PVP que contre les boss parce qu'elle est rapide, ça peut briser la garde, mais bon, je crois que c'est plus... Bah, je crois que je l'ai en plus 5 en plus. Je crois que c'est plus contre des gros trucs cheatés, je suis pas sûr que ça marche. Déjà faire l'épée de l'icheveu. C'est pas non de l'icheveu. Et peut-être qu'elle est... Attends, j'ai d'abord essayé. Essayer les moussettes parce que si je prends plus 5, c'est ça. Elle fait 210 plus 190. Alors que l'espadon, l'espadon des jumeaux, il fait 220 plus 160 plus 189. Espadon de fumerolle, lui c'est trop. Voilà. L'épée de l'icheveu, voilà. Et je vais voir si
La hache du tueur de dragon. Mais je suis pas assez fort, je pense. Pour hache tueur de dragon. Hache tueur de dragon. Je pense pas l'avoir. J'ai la lance tueur de dragon, mais la hache tueur de dragon. Je l'ai pas. Je sais pas où tu l'as pécho, mais. Hache de chevalier ailé. Ouais, hache tueur de dragon, je l'ai pas. Échange l'âme. Pourtant, je dois l'avoir là. J'espère que j'ai pas. Ben, j'ai peut-être pas buté le boss, je suis con. Et oui, si c'est le dragon machin, pourtant je l'ai buté deux fois, mais en NG+, je sais plus. Ah ouais, peut-être que je l'ai pas buté en NG+. Du coup, j'ai pas. PH, cœur de dragon. Ah non, c'est bon, armure. H, grande H, tueur du dragon. Grande H, du démon. Grand âge du démon, je l'ai pas. Non, les grandes haches. Ce serait bizarre que les trois, je les ai pas. Les trois grandes haches, je croyais avoir tout acheté. Elle est très puissante dans la montée en max. Bizarre que les trois haches. Une grande hache. Ah non, je l'ai, grande hache. Grande hache tueur de dragon, grande hache démon. Et grande hache. Ah, mais c'est 20 de poids. Je pense pas. Grande machette, non, bah c'est bon. Il me reste que la lame de Rosaria. Qu'il faudra que je. Fais voir elle. Sortir parce que j'ai pas resté une heure sur sur ce coin là, juste la grande hache. Grande hache tueur de dragon. Ah non merde, écaille de titanite, je croyais que c'était truc scintillant, truc con. Écaille de titanite. Oh, how may I... Écaille de titanite, putain je peux en acheter que 7. Bientôt fini, après je vais essayer de la tester. Et qu'est titanite trop... Bon, on va la tester. Et je vais faire du PVP là, juste 2 secondes. 74, putain. Je vais mettre le truc de charge maximum là. Voilà, 63. Voilà. Alors, est-ce que je me mets un petit bouclier? Petit bouclier perforant.
Ouais, bouclier perforant, la classe. Ok. Je vais faire juste un peu de PVP. Juste pisser, je reviens. Sinon, l'autre fois, il y avait un truc marrant, je m'en souviens, il y a quelques mois, il y avait un mec, une fois qu'il était venu, et il avait tenu des propos négationnistes, et après, il a dit, ouais, je vais faire, tu vas voir, je vais te troller, ou te, je sais plus comment ils appellent ça, hein. Avec tous mes potes, on va venir et on va niquer ton live. J'ai pas capté sur le moment. Et puis, l'autre jour, je suis allé regarder comme ça sur les forums. Un forum, je sais plus quoi, et j'ai vu justement un mec qui disait, ah venez, il y a un mec qui est en train de streamer, c'était moi, il faut venez, on va aller le troller, ou je sais plus comment il s'appelle, là, l'emmerder. Et en fait, personne n'a répondu à son post, donc vous verrez, il y a un truc, un forum là sur jv.com. Et donc la tristesse du gars qui a que ça à foutre déjà de dire, je vais aller sur un stream pour en plus emmerder. Et après, il a posté sur le forum et il y avait zéro réponse. Ou alors juste une qui a dit, mais c'est qui ce mec? Il savait même pas qui j'étais. Donc du coup, le mec, il croyait qu'il allait faire... Putain, mais la tristesse, quoi. Ça, c'était génial, quoi. Qu'on pouvait lancer, non, en fait il n'y a personne sur le truc. Bon, bah, si c'est ça, moi je vais me faire un mélano qui augmente la foi. Protection d'acier, la foi. Ça, je me fais un thé, hein. j'ai goûté parce que là ça fait déjà une heure, oh, quoi que 1h35, ça va. Bon. Je vais me faire un thé, je reviens dans 2 minutes. À part si ça lance automatiquement le combat, je serai pas dans la merde. Donc mon appel pour m'acheter des boîtes Oreo classiques n'a pas fonctionné, je n'ai reçu aucun don directement sur ma carte bleue, donc je vais me le faire moi-même. J'étais pas prêt, j'étais en train de faire monter là. Je vais chauffer l'eau. Bon, écoutez. Voilà. Voilà. Voilà, faire bourrin en 2 coups, niquer le mec. Voilà.
Voilà, c'est tout. Le mec, il est obligé de venir. Il est obligé de venir, le mec, et il se prend le coup. Voilà. Et en plus, j'ai une super défense. Hop là. Voilà. Putain, mais il prend pas de dommages. Bah. Allez. Là il va venir parce qu'il est chaud. Voilà. Ouais mais lui il fait une... Voilà. Putain. Ah c'était un peu plus compliqué. Il y a l'eau qui bout. On a 3 minutes. Ah moi j'y vais comme ça sans bouclier, sans rien, je suis cool. J'ai même pas de pyromancie. Voilà. Allo qui bout. Ah là je vais lui faire attaque sauter R2, il va l'avoir dans le cul. Merde. Des attaques de nul. Et putain, il avait plus qu'un vital ce con. Vite allo qui boubou. Chez toi, rentre chez toi. Et fais l'attaque sauter, voilà, comme ça, là, putain. Voilà, c'est qui le patron? Deux à deux. Là, faut qu'il y ait égalité. Là, faut se casser. Faut se casser. Il faut essayer de niquer. Faut faire deux à deux. Il pourra pas m'avoir. Voilà, niquer. Là, je refuse le combat. Je refuse le combat. Il faut juste le taper une fois. Au revoir. Pour que ce soit lui qui prenne les dégâts. Voilà. Match nul. Meilleur combattant Zuller et connard. Pff, lui il avait tout. Moi j'avais juste une arme sans bouclier et lui il avait la pyro. Ils ont même pas apprécié le beau jeu. Je reviens, je vais faire mettre le sachet, à part si l'aéropop.
n'y a pas une autre arme un peu plus rapide, peut-être un gros truc, mais... Ben non, je suis con, je vais mettre juste la pyro, parce que ça prend pas de points. Et de temps en temps, je vais l'envoyer de la pyro. Ah non, voilà, c'était ça. Merde, j'ai utilisé mes tablettes de titanite, c'était la pyromancie que je voulais mettre en plus 10, là. Ouf. J'espère qu'il m'en reste une. Voilà, tablette, je savais bien qu'il y en avait une 198, hop. Voilà, c'est celle-là. Comme ça, on va voir. Et voilà, 180 plus 101, 198 plus 98. Bon, ça va. Sauf qu'elle utilise plus de coups. Coups en PC, elle est doublée. Donc, du coup, est-ce que maintenant je peux lui donner les yeux là ? Ah, maintenant je peux lui donner. Ça sert plus à rien. Parce que j'ai déjà buté. Et je vais lui donner l'âme. Pas compris ce que ça faisait puisque j'ai buté le boss en lui ayant donné ça. Ça, c'est dans le NG d'avant, j'avais retiré le symbole noir, j'avais donné les sous. Que là, par contre, je vais m'augmenter. Ben non, je suis con, ça sert à rien. Donc là, je vais changer de pyro. Comme en effet, Cyril. Placer sort. Voilà. Ça, c'est celle qu'on gagne. Donc tant pis, je vous spoil. C'est celle qu'on gagne. Merde, quand on fait le DLC. C'est celle qui est utilisée. Augmente la HM, mais j'ai pas assez de sous là. Bah, j'ai pas. Je crois que c'est. Je sais plus. Je crois que après tu peux plus être en carcasse, un truc comme ça, tu restes humain tout le temps. D'apparence humaine, mais c'est pas sûr. Hein. J'ai jamais trop compris, déjà je comprends pas ce que ça fait de laisser le feu ou pas. Ah, il faudrait que j'ai 8. Est-ce que je crois que c'est 30 000 âmes pour avoir une tablette de. Ah merde. Une tablette de machin. Pas une tablette, mais. C'est 30 000 âmes pour avoir gagné Kai et il m'en faut 8. Donc 8 x 3, 24, il faudrait que j'ai 240 000 âmes. Là, pour l'instant c'est trop long, je vous aurai pas le temps. Voilà, mais si c'est pas encore... D'accord, bah ça putain le con. Fais chier lui! Ah là, ils font chier ces gens! Coucou.
putain l'enculé. Putain, il fait chier ce mec. Je vais tenter le tout pour le tout, je vais le baiser comme ça, tu vas voir. Voilà, viens faire le malin. Et là, attention, on va faire R2. Rentre chez toi! Voilà, fais le malin. Il est où? Il est où ce con? Mais il m'énerve, on dirait qu'il n'y a que lui qui peut taper. Putain, ils font chier les gens qui savent, qui jouent comme ça. Nous, on a ordé qu'on n'a pas le même jeu, c'est pénible. Chiant. En plus, le backstab, on voit le truc, on comprend rien. Putain, il est con ce mec. Il n'y a que des épées qui font que tourner. Je trouve l'épée du loup là, l'épée du loup, dépêche-toi, l'épée du loup. Épée du loup, elle est où? Voilà, hop, je vais faire à la touchette, allez, à la boxe, à la touche. Voilà, à la touche et on s'en va, voilà, on lui nique sa mère. Voilà, putain, plus de 30 secondes. Voilà, rentre chez toi. Voilà, hop là. Voilà. Voilà, quand je joue normalement, je le baise. Allô. Ah, je vais changer de d'anneau. La foi, ça sert que pour le protection d'acier. Je sais pas si ça marche les anneaux dans le mode PVP.
Je vais lui faire ma spéciale avec mon pic rouge là. Charge maximale, ça ne sert à rien. Il n'y a pas un où il y a de meilleures attaques. Pyromancie, non, je ne vais pas l'utiliser. Ah, tant que l'attaque dure, peut-être. Le truc, tant que l'attaque dure. Améliore les dégâts, voilà. Bon, alors. Améliore l'invincibilité pendant les roulades. On va peut-être faire ça. Salut, c'est Exerve. Vous êtes 15 à me regarder, soyez encore plus nombreux. Me permettre de pouvoir vous demander des sous. Mon indépendance, je la dois à ma dépendance envers votre carte bleue. Et l'astuce, c'est... l'astuce c'est ça, mais putain! Mais oui, parce que j'ai pas pris de bon bouclier aussi. Là, si on fait la Daslim Street Fighter 4, on envoie la bouboule et après on s'avance vers le mec. T'as vu, une grande stamina. Voilà. Ouais, mais là, je voulais changer de truc. Il est con, lui. Il a pas compris. Je voulais changer mon truc. J'espère qu'il va me laisser le temps. Voilà. Ça y est. Voilà, moi aussi je fais le bourrin, voilà. Avec la posture R2, voilà, je le baise. Voilà, et je le touche. Voilà, et je le touche. Moi aussi je fais le con, hein. Voilà, hop. Et merde, ça l'a touché, il a pu me backstab, alors vous avez bien vu que ça l'a... Voilà! Niqué, un partout.
Voilà, deux dans le cul. Niqué. Voilà, il fait le malin au début. Il fait ah ouais, je sais jouer. Ben voilà, niqué. Le mec, je l'ai niqué là. Voilà. Le petit joueur. Lui, t'as vu là le bouclier de gloire, il doit être. Putain, je suis invital. Et merde, j'ai appuyé sur R2. La couronne, c'est quand on gagne un combat, je crois, on a une couronne de partout. Quand on gagne la manche en cours. Voilà. Match nul. Voilà, au moins j'ai pas perdu. Je fais meilleur combattant barbichettif. Niqué. Et merde, je voulais faire la capture d'écran. Égalité. Voilà, il m'a paniqué. Domenech Style. Match nul. C'est tout. Après, les mecs ils veulent me donner des leçons, ben voilà, le match est nul. C'est tout, 5€ par mois. Putain, on a des super combats, plein d'arènes. C'est exceptionnel à la next gen. On a vraiment, on profite, on a plein de trailers et tout, mais. Finalement on a un truc de merde. Bon, oui. Arme, on peut rien faire. Chiant, ils tapent, ils font que bourriner un bouton. Putain, ça me gonfle. Voilà, ils font que bourriner. Voilà, il appuie, il appuie, il appuie. C'est chiant alors. Voilà, le DLC, ça me gave. Hein. Le boss, si c'est pour taper un boss comme ça. Genre, en plus, sur NG++, machin. Ça me gave, bon allez, hop. Voilà, moi ça me gave là. Chiant, des combats comme ça, faut pas l'intérêt quoi. Le mec il bourre, super intéressant. C'est du jeu vidéo ça. Allez hop. Pas que ça à foutre. Hop, ça il va venir.
va essayer la bravitude. Mais on a la même arme. Comme ça. Voilà, comprends dans ta gueule, voilà, rentre chez toi. Comment lui faire un fou? Prends ça dans ta gueule! Prends ça, boum boum! Prends ça dans ta gueule! Alors, Abdouap. Dure. On va réessayer encore un peu le boss du DLC, mais bon. Ça me fatigue rien que d'y penser. Hop. Je vais mettre un habit qui porte chance. Comme ça. Juste vérifier un truc. Quick.
us. Oh non, il nous a rien dit, putain. Je pense que... Des PNJ qui servent à rien, quoi. Quand on voit, quand on voit dans Demon's Souls, les PNJ, ils avaient tous une histoire de fou. Ils avaient tous une histoire bizarre et machin. Un peu dense, machin. Là, on a un PNJ qui est là pour te dire blabla et c'est tout. On dirait que c'est les mecs dans Game Maker 2003. Ils t'ont mis un PNJ, ils font une action blabla et après c'est tout. Et ils ont pas foutu de mettre une densité... dans les personnages, donc ça sert à rien, quoi. Tu ne peux pas, je sais pas... Les générations précédentes, il y avait plus de contenu dans les jeux. Hop, allez, hop. Ah oui, en fait, il faut foncer vers elle pour pas qu'elle... Ah, elle bouge plus. D'accord, elle bougeait plus. Pour pas qu'elle te... Mais merde. Pour pas qu'elle nous saute dessus, il faut juste aller vers elle, se rapprocher... C'est joué un vital là. Oh, vite. Colle pas, ok, recolle pas, ouais, mais alors, faut bien à un moment donné s'approcher du mec. Ah.
Tant que le PNJ est vivant, ça va. Total pas. Mais putain, je l'avais buté. Putain, il lui restait 10%, chiant. Putain. Attends, j'ai couru derrière. Attends, j'avais compris comment elle faisait. Enfin, allez, on bloque. Merde.
qu'il est en train de se déconcentrer. Oui, deux secondes, mais on peut pas mettre sur pause là. On va faire chier d'un pénible. Fait que enchaîner de la merde, parce que le boss on peut plus rien faire, après on peut pas bloquer. Donc. Si on aurait 50 astuces, on pourrait rien faire, il fait que bloquer. Mais elle enchaîne, on peut rien faire. Ils sont habillés de niveau, donc ils font un boss qui envoie 50 trucs en même temps. J'ai pas fait que ça. J'ai fait du PVP et j'ai lutté.
des couteaux et à pousser les choses.
quand streamer devient un plaisir.
I wish to paint over one, that's why I must. From whence thou camest, Uria surely awaits thee.